C'est la deuxième vidéo consécutive que vous mettez en tendance. Je tiens encore une fois à vous remercier les amis. Et nous sommes actuellement, toujours, dans la suite de Poppy Playtime, chapitre 2. C'est quoi ce truc? Rota top 90 degrés, rota bottom 90 degrés. Water traitement. D'accord, donc c'est le traitement de l'eau ici apparemment, que je peux lire ça. Mommy Long Leg a la capacité unique de s'étirer sur plusieurs mètres. Elle est très hostile envers l'équipe, mais elle est très chaleureuse et agit comme une maman avec les enfants, avec les expérimentations. Donc du coup, c'est les enfants. Elle est même protectrice envers eux. Cette hostilité va rapidement devenir un problème, mais peut-être qu'il y a une solution à mettre à la place. Alors, la proposition, c'est que Mami Longleg va faciliter les choses avec les enfants de la Game Station. Elle a l'aura chaleureuse d'une mère et pourra probablement faire en sorte que chaque enfant puisse l'écouter. Donc du coup, il y a... Donc effectivement, en fait, il y a vraiment une expérimentation sur les enfants. Dans ce truc, il y a les enfants en fait, sont des exploitations dans ce jeu. Alors du coup, ce que j'ai fait là, ça me permet d'aller à droite. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite du coup? Parce qu'en fait, techniquement, je peux sauter. Hein, je veux dire, j'ai pas vraiment besoin. Toy scanner. Ah, j'ai besoin d'un scanner pour les jouer. Non, parce que techniquement, je peux... Apparemment, non. Bon, tu vois ce petit saut, là? Eh ben, tu peux pas le faire. Parce que tu n'as pas de détente. Donc voilà, démerde-toi. Miaou, 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 miaou. Intéressant. C'est quoi mon but en fait? Du coup ouais, je le fais aller là-bas. Et il tombe. On va juste attraper quand il tombe. Non, on peut pas. Ok, donc là tous les jeux sont en train de partir là-bas. Ça c'est quoi? Ça le fait tomber dans l'autre sens. Du coup là, le jeu se casse la gueule. Et ça là-bas, ça fait quoi? Je pourrais pas vraiment parce que c'est beaucoup trop haut. En fait c'est quoi mon but? C'est de le faire tomber genre sur moi? Là, ils arrivent. Et si je refais juste avant qu'il arrive là-bas? Allez! Bah là, c'est facile. C'était facile, hein? Je veux dire, je vois pas le problème. Il y avait un jouet juste là, ça compte pas? Apparemment, non, il faut un jouet neuf. Les vieux jouets, ça compte pas. Ah, il y a une cassette verte à regarder, il faut la trouver. Bon, maintenant, on va aller mettre le jouet à la place du truc en question. Éviter de tomber, évidemment, parce que bon, voilà, je sais pas nager, a priori. Toy scanner! C'est bon? Ah, je peux passer. Ah, je suis un BG, t'as vu ça? Bon, y a rien là-bas. Et on continue dans une descente candide d'aération. Aller à gauche ou à droite? Oh là là, je peux aller dans les deux sens. Ah, faut pas me donner de choix, les gens. Si vous me donnez des choix, là, je vais me perdre. Où est-ce que je suis? Un fauteuil roulant. Je sais pas, y'a rien là-dedans. Alright, Buggy, il a dit. Ici, j'ai une casquette rouge. Une cassette rouge, en fait, à trouver. Alors, pour le coup, je ne sais pas où elle est, donc on va retourner dans l'autre conduit d'aération. Ça veut dire que là, j'ai raté au moins deux cassettes déjà.
Peut-être qu'il y avait une cassette qui était sur les tapis roulants. J'aime pas le bruit que ça fait là. J'aime vraiment pas. Ça c'est un vrai jouet. Ça c'est un jouet de qualité. Alors j'ai besoin d'électricité pour ouvrir probablement cette barrière. Et... Interdit à la main verte? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a... Il y a un petit monsieur qui sourit là-dessus. Donc du coup je peux ouvrir ça si je fais ceci. Ok, j'ai compris. Enfin. Il faut que je me dépêche en fait, tout simplement. Ça ferme tout. Ah ! Oh mon dieu, c'est bon, j'ai compris les amis. J'ai compris. Hop, en gros il faut activer ici. Récupérer l'énergie ici. Dépêcher, hop. Hop. Mettre le courant là. Courir vite de ce côté là. Recommencer à faire... Vite. C'est bon. Putain, j'ai fait une vitesse. Ah, ça active le courant partout, je pense. Ça a activé le courant là-dedans, c'est une sorte de salle médicale, hein. C'est pas ouf en fait du tout, en fait, comme... Ça a ouvert la grande porte derrière. Du coup là, j'ai quand même deux cassettes en moins, les gars. J'ai une lampe torche? Depuis quand? Oh no. Ah si, c'est bon, je peux mourir. Oh mon dieu. J'ai pas envie. Oh la tête qu'elle a. Cours. 9 7 6 5 4. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle va arriver comment? J'ai peur qu'elle arrive genre à toute vitesse, tu sais, genre elle défonce tout sur le passage. C'est insane en fait, hein. L'animation était vraiment insane. Elle fait vraiment peur, Mommy Long Leg. Gauche, droite. Bon, gauche, hein. Oh putain. Oh non, je vais avoir encore... Je vais avoir une course poursuite comme... Oh. 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 Emergency exit. Ça ne marche pas. Il y a une vraie porte là. Tous ces trucs qui grincent là. Ça va attirer plein de gens chez moi là. Oh mon dieu, il y a plusieurs leviers de toutes les couleurs. Mais comment je sais moi quelle couleur c'est moi? Vert.
Bro. Ah! Heureusement que je lève la tête. Ah, j'ai peut-être le code ici. Rouge. Rouge, c'est 1. Bleu, 2. 3, vert. Et 4, c'est jaune. Rouge. Bleu. Vert. Jaune. Allez! Vite, 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 avec tout le bruit que je fais, je vais forcément la tirer sur moi. Ah! Oh bordel, comment elle arrive? Oh mon dieu! Oh fuck! Faut que je refasse tout dans l'autre sens? Ah! 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 Mais je fais quoi? Je fais quoi? Hein? C'est écrit quoi? Get up. Ok. C'était quoi le langage d'avant? J'ai pas compris, monsieur. Quand je reviens, je m'accroche là-haut, je pense. Je pense qu'il y a pas 20 millions de chemins différents. Parce que je peux pas forcément... Ok. Et du coup, le truc le plus rapide... Plus rapide pour moi, ce sera... Là, j'attends que la musique s'arrête, hein. Je pense que c'était la meilleure idée, y a pas 20 millions de solutions. Je crois que c'est bon. Et maintenant, je pense que je peux passer. 0,5. Ok, j'ai un interrupteur juste ici. Les trucs ont pas l'air très en... Ouais. Peut-être là. C'est écrit quoi? Soyez sûr que la machine soit... n'est pas des débris dans la machine. Mettez du lubrifiant sur... la surface des machines. Remplacez les pièces endommagées. Regardez le niveau des fluides. Et regardez la ceinture. Enfin, plutôt la... Pas la ceinture, mais genre la chaîne, tu vois. Alors, main gear remove... Alors, c'est cassé. Remplacer au plus rapidement possible. Alors, le truc que j'ai... Le truc que je viens de récupérer, c'était quoi, alors? En tout cas, j'ai enlevé les trucs là-dedans. J'ai enlevé un truc là-dedans. C'était un rouge. Clairement, je peux peut-être potentiellement regarder en haut. C'est quoi? C'est une sorte de four? Je sais pas exactement ce que c'est, je peux foutre le courant dedans déjà. Est-ce que c'est un style pour mettre... Ok. Est-ce que c'est un truc du style pour mettre le... Attends, parce que dans mon inventaire, j'ai ça, là. Gear mold. Tu vois, genre, est-ce que c'est pour brûler des choses? Parce que là, je peux pas l'installer là-dessus. Je peux pas l'installer là-dessus. Je peux m'enfermer à l'intérieur, a priori. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'enfermer à l'intérieur? Putain, c'était... Je pense que c'est... On va tuer Mommy Long Leg comme ça. La foutre à l'intérieur du truc et... Oh mon dieu. Alors, du coup, comment je fais pour... Oh.
Il y a un énorme trou là. Alors techniquement, de ce que je vois, je peux littéralement entrer à l'intérieur et voir le feu, tu vois. Ouais, ça marche. Je peux sortir normalement aussi, tout va bien. Peut-être que je peux mettre le truc de en haut. Ah. Ah, j'ai mis en haut. Putain, pourquoi je peux mettre en haut et pas en bas, c'est con. Ouais, le truc est dedans maintenant. Je sais pas où il est, mais il est dedans. Donc du coup, moi je vais l'allumer. Je mets en haut, ça fait fondre. Et en fait, ça arrive là-dedans, ça va devenir un... Ouais, voilà. C'était un moule, en fait. C'était un moule. Ça avait rien à voir avec ce que je pensais. Voilà, maintenant, il est récent. Do not hunter. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bon. On l'utilise, on fait le plan. On établit le plan. Et je l'ai pas vu rentrer dedans, du coup ça va? Je me suis protégé en fait avec le feu. J'ai entendu grogner mais je l'ai pas vu rentrer dedans. Donc théoriquement elle a pas cramé. Oh, j'ai tellement eu peur, OMG. C'est horrible. Bon, maintenant qu'on sait ce qui va se passer, on va peut-être le faire à distance, ok? Ouais, comme ça je peux courir. Oh purée. Oh, c'est horrible. Oh mon dieu. C'est horrible. Oh mon dieu, il a réussi à faire pire que la première course poursuite avec Huggy. La poursuite avec Huggy était déjà horrible de base. Oh putain, j'ai pris trop de temps. Donc je vais mettre encore plus loin, vous savez. Et c'est parti. J'ai plein d'avance maintenant, je veux rien savoir. Oh mon dieu, on la voit marcher dans le feu d'à côté, j'avais même pas vu en fait. Et cette fois-ci, je vais... Oh là là, c'est vraiment... Le timing est vraiment... Comment elle peut être partout comme ça avec ses bras là? Non. J'ai lâché avant de monter. Mon dieu, ne tombe pas, ne tombe pas. Ouh, oh. Fuck. Non, mais c'est pas vrai. Oh. Okay. Oh, bordel. C'est une blague. C'est une blague. J'ai réussi. Oh mon dieu, j'ai réussi. Ok.
Pas par là, pas par là. Allez, 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 allez. Go, j'ai une main bleue. C'est bon. Oh mon dieu. Vous pouvez pas savoir depuis combien de temps j'essaie. Vous pouvez pas savoir depuis combien de temps j'essaye. Non. 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 Oui. C'est bon. Oh. Dieu. Elle est coincée. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh. What the fuck is that? Ew. Alors pourquoi il y avait du sang à l'intérieur? Je crois que c'est pas fini les gens. Il y avait une énorme patte qu'il a attrapée. Genre comme un endosquelette si vous voulez, comme dans... Bah du coup... ce magnifique Five Nights at Freddy's, vous savez, genre quand ils ont pas de... Quand les jouets n'ont pas... N'ont pas de... De fourrure, hein, de coque, je sais pas comment dire. C'est un peu pareil, tu vois, c'est genre vraiment un squelette juste de l'animatronique. Mais vu que quand elle a explosé, il y avait du sang, je veux dire, à l'intérieur des jouets, il y a peut-être des vrais corps humains, vous savez. Du coup, on va monter, je suppose. Elle avait l'air un petit peu triste, hein, de se faire exploser. Ça peut être compréhensible. Ici. Je l'avais pas vu. C'est genre... C'est noir sur noir. Oh mon dieu. Code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. Merde. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. Mm. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Oh, man. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Ah. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. Uh-huh. End of log. Il dit que Huggy Wuggy était très intelligent et surtout il obéissait facilement. Tandis que prototype 00 je sais pas quoi là, pas du tout. Ça... C'est assez intéressant, on va dire, comme concept. Bah, par contre, j'ai pas récupéré de... le dernier code, en fait. Elle a été emportée par le prototype. Je suppose que je vais devoir faire quelque chose. Poppy ? Elle a le dernier code, en fait. 3, 2, 1. Ça va ? Bah, elle est morte toute. Ok. I'll board the train. We need to leave. Elle a pas l'air aussi enjouée qu'au tout début du jeu, ok. Elle a vraiment pas l'air aussi enjouée qu'au tout début du jeu. Donc du coup la porte s'est ouverte, mais j'ai deux documents que je dois lire avant.
Est-ce que je ne sais pas si vous avez passé déjà des semaines dans une pièce sans fenêtre et avec une lumière artificielle, et laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas très plaisant. Les enfants commencent à devenir grognons. Vous pouvez simplement le voir sur leur visage. Je sais qu'il n'y a pas vraiment un moyen d'avoir la lumière naturelle ici, mais il doit y avoir d'autres moyens, non? Je commence à penser à foutre des fausses fenêtres un petit peu partout. Faites ça, et boum! Il y aurait un peu de vie ici-bas. Je l'ai vu à la télé la semaine dernière. Ce sous-sol a de fausses fenêtres. Des grosses lumières derrière les vitres. Ça rend tout l'endroit comme si c'était éclairé par le soleil. Vous voulez que tout le monde soit de bonne humeur pour ces jeux, n'est-ce pas? Faites la bonne chose, ajoutez des fenêtres. Bon, bah, ça c'est fait, hein. Donc, du coup, on va avancer, on va aller dans le train, je suppose. J'espère que ça va m'emmener quelque part de bien. Bon, là, c'est un toboggan, j'imagine. Oh. Ouais, j'ai ouvert une porte jaune. Ça fait limite plaisir. Ah, je peux rentrer par ici. Je suis de l'autre côté de la station. Est-ce que j'aurai quelque chose à voir? Il y a des toiles d'araignée de maman long leg un peu partout. Et ici, j'ai des petites caisses. Ouais, je peux les attraper, mais ça sert à rien, je suppose. Peut-être que c'est un moyen d'avoir une cassette enregistrée ou une connerie du genre, tu vois. Je ne sais pas. Ah, Prestap, tout vient de trucs. Ouais, donc du coup, c'est... chien... Kissy... Chat... Maman long leg. Sauf que... Il y a aussi un truc avec la couleur. Donc du coup, si, avec, si c'est la couleur... Putain, ça veut dire que j'ai rien? Attends, c'est quoi ça? Ah, oh, j'en ai raté plein. Alors, la couleur, c'est rouge, jaune, rouge, bleu. Rouge... Jaune... Rouge... Bleu. C'est bien ça, le code? Rouge, jaune, rouge, bleu. Et le dernier, c'est 3, 1, 2, 4. Presse bouton de train de console in the accorder. On se complétait de mec sûr to pull train whistle. Wait. Ah, attends, est-ce que je peux changer ça? Ah, d'accord. Attends, il faut mettre le chien là. Chien... ouais, d'accord. Donc faut que je rechange les couleurs du coup. Ok, je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne ce truc. Rouge, jaune, rouge, bleu. Rouge, ici c'est jaune. Rouge, ici c'est bleu. Voilà, maintenant le code... Ce serait 3, 1, 2, 4. Donc ce serait 3, 1, 2, 4. Et du coup, il disait aussi... Make sure to pull train whistle. Alors, il faut que je tire sur le... Voilà. Et je pense que c'est bon. Et le train va partir. Let's go! Le train part! Parfait ça! Je vais pas voir un ennemi par là, tu vois, genre Geman sur une passerelle qui me suit, tu sais. Elle est où, Poppy? Let's go, baby! On prend le train! T'es, on a attendu longtemps pour pouvoir le faire celui-là, hein. Bon, maintenant, à savoir... Il y a un autre jeu qui va arriver très bientôt. Tout le monde m'en parle dans les commentaires, mais je suis au courant, qui s'appelle Choo Choo Charles. Si vous ne connaissez pas, allez le chercher. Vous allez voir, ce jeu va être démoniaque lorsqu'il sera disponible. Apparemment, je suis parfait. Wait! I've never met anyone like you. No! Do you know how long I've been stuck in that case? Mais Poppy, tu m'as trahi! Too long. No. I had so much time to think and reflect. Je me sens si blessée. To figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. No. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? What? Zizbaz. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose... Oh, elle s'est fait attaquer peut-être. Parce que je sais que Prototype est là. Il a littéralement récupéré Mommy Long Legs. On l'a vu avec sa grande main. Mais est-ce que Poppy aurait été aussi attrapée ou blessée? Genre en fait, elle essaie de nous garder. Ça a vraiment fait comme un Portal 2, vous savez, quand Wesley nous trahit. Exactement, ça ressemble énormément. Ok, là ça commence à s'accélérer par contre.
Faut que je fasse un truc. Stop. Oh. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai réussi à arrêter le train. Ça s'arrête pas comme ça quand même. Jure. Le jeu s'arrête comme ça. Ils sont sérieux. Oh non. Je voulais en savoir plus. Chapitre 2 terminé. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Et vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, tout simplement. Il y en a plein qui... Regardez, il y a des vidéos qui apparaissent en plein milieu, là. Cliquez dessus, je suis sûr que ça peut vous plaire. Je vous assure, ça peut être génial. Surtout celle-là. Celle-là, là, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. C'est vous qui voyez. C'est Ross, out.